tourne. Bon, je vais rentrer le Solent. Je vais essayer de rentrer la GV. Donc il faut que j'aille lui ouvrir son bloqueur là-bas. Le vent a forci, on a 16-17 nœuds de vent météo. Comme on est face au vent et qu'on avance un petit peu, on a 20 nœuds de vent apparent, ce qui est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Toute proportion gardée, hein. Quand on est deux à faire les manœuvres, ça se gère. Quand on est un, il faut essayer de faire un peu plus attention. Donc là, je suis face au vent, mais ma voile se gonfle quand même de temps en temps. Et je ne peux pas y faire grand-chose. Et c'est juste le fait qu'elle flotte. Donc, je vais la relâcher ici. Et on va regarder ce que ça donne. Oh, ça redescend, hein. Là, j'ai mon bout de d'affalage pour aider. C'est celle qui est en haut. Là, je lâche la drisse. La voile, elle fait ce qu'elle veut là maintenant. Là, ma bombe est centrée, elle est tenue. Je vais essayer d'aller récupérer ma poche qui est là. Pour bien faire. Un mauvais angle vent, voilà. La voile sous son propre poids.
C'est un peu en vrac, mais c'est descendu. On débriefera tout à l'heure. Stop. On zoom. Nous voici revenus presque à Sainte-Anne, à peu près à l'endroit où nous étions mouillés tout à l'heure. Donc la dernière étape de cet exercice aujourd'hui, ça va être d'aller se réinstaller au même endroit. On va être dans 5-6 mètres d'eau. Donc l'idée, c'est une fois que je serai proche de l'endroit où on va s'installer, c'est mettre l'ancre 5 mètres dans l'eau. Donc j'ai un repère là-bas, 5 mètres dans l'eau pour qu'il soit proche de la surface. Engager la marche arrière, donc revenir au poste de barre, engager la marche arrière. Et dès que le bateau est en marche arrière visible, descendre l'ancre pendant une quinzaine de secondes, puis point mort. Et laisser ce temps de la chaîne, et une fois que la chaîne est tendue et que j'aurai confirmation que l'ancre a pris, dérouler la ligne de mouillage sur la longueur qui va bien. Alors on est presque arrivé, donc on va bientôt y aller. On va essayer de se repositionner au même endroit où on était, parce qu'on était très bien, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Là, il y a beaucoup de bateaux qui sont revenus mouillés à Sainte-Anne, peut-être arrivés de Transat. Donc là-bas, c'est bien rempli. Et là où on se met, devant celui-ci, devant ce petit voilier, dans ce trou ici, on est tranquille, on sait que c'est un bon sable et que l'ancre se met bien complètement à 100% dans le sable. Donc on est très très tranquille dans cette zone. On bloque la barre, on essaye de se remettre face au vent. J'ai en principe 6,50 m de fond, donc normalement l'ancre ne touche pas. Je vais avancer un chouïa de plus. Ah, c'est pas mal. Je me remets dans l'axe. Je nous arrête. Et on est arrêté. Et maintenant, marche arrière.
et on descend. De trouver un marqueur par la longueur qu'on a là, on a 20 mètres dans l'eau et la chaîne est tendue, donc l'ancre a pris. Je vais refaire une marche arrière sans rallonger pour m'assurer de la tension et après je mets la longueur. De 8, de 5, 40, on va descendre jusqu'à 35 mètres. Je vais mettre la patoire à 30 mètres. On s'en souvient, on l'a vu passer tout à l'heure. Lui. La patte d'oie est là. Une petite marche arrière pour être sûr de mettre tout ça en tension. Mouillage parfait. Exercice terminé. Repos quelques minutes pour parce que ça doit être très stressant pour lui et débriefing. Pour lui, je devrais dire pour le capitaine parce que il s'est bien débrouillé. Il y a que l'affalage de la grand voile qui mérite un bon débriefing. Et puis prochaine fois, ce sera moi qui essaierai de m'y coller. Là, ce sera une autre paire de manches. Allez, c'est l'heure du débriefing. On est au mouillage, à un poil près au même endroit que nous étions il y a 2 heures avant de partir. Alors, première chose, cet exercice a été épuisant. Intellectuellement, émotionnellement, nerveusement, physiquement, ça a été épuisant. J'ai pris mon temps pourtant pour chacune des étapes. Je les avais
préparer, réviser, j'en ai rêvé cette nuit, enfin voilà, je connaissais à peu près tout ce que j'avais à faire. Il y a des choses que j'ai découvertes puisque c'était la première fois que je les faisais, comme l'affoilage de la Grand-Val, je vais y revenir. Mais voilà, l'exercice en tant que tel était épuisant. En situation réelle, peut-être que je m'y prendrais un petit peu différemment, que je prendrais peut-être un peu plus de temps, mais en fait, je le redis, j'ai pris mon temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans l'ordre, la préparation du bateau, il n'y a rien eu à redire, rien ne m'a gêné, rien ne m'a manqué. A priori et de mémoire, j'avais rien oublié. Peut-être que je mettrai les retenues de baume un petit peu différemment une prochaine fois ou pour une prochaine navigation, mais tout allait bien. Préparation des voiles et des boots, des écoutes, des drisses, des choses comme ça, tout était à sa place au bon endroit, tout était en place pour être envoyé, ça s'est bien passé. L'envoi de la grand voile, vous l'avez vu, ça a pris son temps, mais ça allait bien finalement. C'est pas très très compliqué. J'ai utilisé le winch à grande vitesse. Si on était deux, ça irait plus vite en hissant la première partie de la voile à la main plutôt qu'au winch. Mais bon, là, en étant tout seul, le winch m'était d'un grand secours. Donc globalement, ça a été. La prise de cap après, c'était facile. Laisser la grand voile nous propulser tranquillou sans les moteurs, même mal réglés, ça allait. Envoyer le Solent, lui, il est très polyvalent, il pardonne tout. C'était facile. Donc la mise sous voile, c'était pas très très long. Le plus compliqué, c'était de se dégager de toutes les bouées des pêcheurs. Mais ça, c'est juste prendre du temps et de la distance. Petite difficulté, le pilote automatique n'était pas forcément bien calé et quand j'ai envoyé la grand voile, j'ai commencé face au vent, ça s'est un petit peu décalé. Bon, ça peut donner un peu d'angle sur la voile et lui donner un peu de tension, mais c'était pas trop piégeux. Toutes les lattes sont passées autour des lazy jack, entre les lazy jack pardon, et du bon côté, du même côté de la balancine. Donc l'envoi des voiles, il y avait 12-15 nœuds devant, c'était un tout petit peu soutenu, mais sans plus. Pas de problème. Après, la navigation, bon, ça c'est classique. Les empannages et virements de bord, je les ai pas filmés, mais ce sont des choses classiques. Le Solent, il passe tout seul. La grand voile, dès l'instant où on la recentre et on la laisse passer et on la re-règle, elle passe très bien. Donc, aucun souci pour la navigation. Ensuite, les sketchs. Le plus piégeux, là où j'ai appris des choses, c'est pour amener la grand voile. Quand on s'est rendu compte que le vent montait un petit peu, 15, 16, 17 nœuds de vent météo, qu'on allait se retrouver au pré pour rentrer sur Sainte-Anne, donc 20 et quelques, il aurait fallu prendre un riz, j'avais pas envie, c'était pas le projet d'aujourd'hui. J'ai rentré le Solent face au vent. C'est pas forcément la bonne allure, mais face au vent, ça pardonne bien, il rentre tout seul, donc ça c'était nickel, ça s'est très bien passé. Ensuite, pour affaler la grand voile, j'étais face au vent, les moteurs allumés, en prise, pas forcément assez vite, ce qui est un petit peu piégeux. Le pilote, là aussi, il m'a pas toujours tenu le cap pile face au vent, et il m'a un petit peu dérivé, et parfois ça a mis la voile d'un côté ou de l'autre, c'était pas forcément très très pratique. J'ai lâché la drisse quasiment intégralement, et en lâchant la drisse quasiment intégralement, la grand voile ne descend pas toute seule. Elle descend sur 1 ou 2 mètres au départ, elle se met d'ailleurs en vrac, je vais vous le faire voir, et donc il faut céder du bout d'affalage à l'avant, vous l'avez vu, et reprendre et tirer sur les bosses de riz, les trois, hein, pour aider la chute de la voile à descendre également. Ça prend du temps, ça a tendance à se mettre en vrac, mais le but c'était pas de faire un affalage propre, c'était de faire un affalage seul. Encore une fois, c'est en cas de besoin, comment faire pour amener la grand voile. Donc la bonne solution, c'est probablement de laisser partir la drisse en entier, puisque la grand voile ne descend pas toute seule. Si j'avais des charrues à billes, elle serait descendue toute seule en vrac, mais elle serait descendue en quelques secondes. Là, ça a été plus long. C'est assez physique. Béatrice ne pourrait pas, parce qu'il y a des moments où il faut reprendre la toile en hauteur et à bout de bras, ce n'est pas toujours évident. Donc si elle devait le faire toute seule, elle s'embêterait. La voile serait encore plus en vrac. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Je vous fais voir le résultat.
Voilà, donc sur le débriefing, l'erreur, ce que j'ai oublié, c'est de remonter les lazy jacks pour remonter les lazy bags pour que la grand voile reste un petit peu centrée sur la baume. Là, je ne m'en suis pas du tout occupé. J'ai oublié, hein, mais je ne m'en suis pas du tout occupé. Ce qui fait que la grand voile, elle est descendue et elle s'est mise en vrac, mais en vrac de chez vrac. Je vais passer de l'autre côté. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est dégoûtant. C'est vraiment pas beau. Alors ce soir, s'il n'y a pas de vent, on va la remonter et la redescendre tranquillou. Ça sera plus propre. Je remonterai tout ça et on refera un affalage propre. Bon, c'est pas gênant en soi, mais bon, c'est pas beau quoi. Et autre problème, plus ennuyeux, c'est la deuxième fois que ça se produit. Il va falloir que je trouve une solution. C'est que ça. C'est la longueur, c'est infiniment trop long. Hein. C'est la longueur du bout qui est là, qui monte sur la poulie là-haut et qui me monte les lazy bags à travers les petits cordages qu'on appelle les lazy jacks. C'est du Dyneema, c'est très solide. Mais là, il y a une longueur énorme. Il y a toujours un bout qui dépasse, une boucle, une sangle. Enfin, une sangle. Et ça s'est pris dans la poulie. De l'écoute de grand voile, ce qui fait que quand j'ai voulu recentrer la voile tout à l'heure et la border un petit peu pour pouvoir reprendre la balancine, pour remonter un peu la baume pour que la voile descende plus facilement, donc j'étais là au poste de barre bâbord comme d'habitude, j'ai relâché mon écoute, j'ai repris ma balancine, ça a coincé, ça a fait quick 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 quick, bref, en fait c'était ça qui était en train de se coincer. Je me suis rendu compte que mon écoute était souple alors que ma balancine était tendue à mort, ça voulait dire que c'était coincé quelque part. Donc je suis allé relâcher l'écoute de l'autre côté. C'est l'avantage du gréement à l'allemande, c'est qu'il y a deux endroits pour relâcher l'écoute. C'est le même cordage des deux côtés, ce qui m'a permis de faire ma manœuvre et d'amener la grand voile. Et là, tout à l'heure, quand il y aura plus de calme, il va falloir que je fasse un nœud là-bas, quelque part ici, pour tenir l'écoute de ce côté-là, pour donner de la souplesse à ce côté-là, pour pouvoir reprendre du mou complètement ici, pour voir si j'ai assez de mou pour repasser là. Sinon, il va falloir que je démonte la poulie pour retirer la gorge. Voilà, ça c'est le débriefing, le côté embêtant. Dernier point pour le mouillage, le mouillage ça s'est bien passé. À force de le répéter dans l'esprit la nuit en rêvant, finalement ce qui était prévu s'est bien passé. On est arrivé, l'ancre 5 mètres dans l'eau, marche arrière, laisser défiler la chaîne. La marche arrière juste en prise avec le vent qui pousse le bateau, il y a un peu de vent là, il y a 10-15 nœuds, c'était un peu rapide. C'est-à-dire que le bateau tirait vraiment sur la chaîne, donc l'ancre a pris tout de suite, mais le bateau tirait vraiment sur la chaîne et c'était un peu trop rapide pour le gain d'eau. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, à savoir, la prochaine fois qu'on fait un mouillage comme ça, quand on sera tous les deux, on fera la même procédure parce que c'est pratique, on s'installe, l'ancre a flotté à 1 mètre du fond, marche arrière, on lâche l'ancre et une fois que la marche arrière est établie, s'il y a un peu de vent, point mort pour laisser le bateau reculer sur son air, ça suffit amplement par rapport à la vitesse de libération de la chaîne. Donc, ce que je retiens de cet exercice, que je me suis donné à moi-même, hein, personne m'en avait parlé, c'était un choix de ma part. C'est que si un jour il y a besoin de quitter un mouillage pour aller à un autre mouillage et qu'on n'est pas dans un cas d'urgence, hein, vous l'avez compris, relever le mouillage et rétablir le mouillage, l'un comme l'autre, Béatrice comme moi, on peut le faire, c'est pas compliqué, il faut prendre son temps, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de piège en fait. Donc relever et établir le mouillage à deux, c'est pratique, c'est très bien. Seul, on peut le faire sans aucun souci. Les manœuvres au moteur, ça, on sait le faire tous les deux, donc on pourrait rejoindre un autre mouillage au moteur tous les deux sans aucun souci. Donc c'est très sécuritaire pour nous, c'est-à-dire qu'on peut changer de place l'un comme l'autre si l'autre est indisponible. Ça, c'est une vraie sécurité. Établir les voiles, je laisse le Solène, ça, un enfant pourrait le faire sur Tiama, donc on oublie. Envoyer la grand voile,
Dès l'instant où on a relâché les easy bags et où on prend son temps de laisser passer les lattes en étant quasiment face au vent, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on est un tout petit peu sur un tout petit angle. Ça monte bien, faut pas hésiter à y aller à la grande vitesse. Donc envoyer la grand voile, on peut probablement le faire l'un comme l'autre. J'aurais tendance à dire que dans ces cas-là, si on n'est pas pressé, il serait pratique d'envoyer la grand voile sur un voire deux ris, parce que c'est simple, hein, ça fait moins de toile à envoyer et ça prend moins de temps et donc moins de stress et moins de pièges. Le truc compliqué dans cet exercice, c'est d'amener la grand voile. Elle descend pas spontanément toute seule, même la drisse relâchée. Il ne faut pas oublier de remettre les lazy bags en place. Elle peut descendre en vrac, on peut céder, il faut vraiment reprendre les bosses de riz au fur et à mesure parce que ça aide à mettre la voile en place, ça l'aide à descendre, mais les 5-6 derniers mètres, il n'y a plus rien, même le bout d'affalage est un petit peu court, ça peut être galère. Pour moi, c'était un peu physique, pour Béatrice, elle se ferait vraiment chier, mais une fois que la grand voile a commencé à descendre et qu'elle a repris ses bosses de riz, il suffit de fermer le frein de la troisième bosse de riz, il reste que quelques mètres de toile dehors, on s'en fout après. On va au mouillage et puis à la fin, on improvise la descente de la voile. Donc ça aussi, c'est pas un problème. Moralité, on peut assez facilement prendre ce bateau en main à une personne pour des navigations pas trop compliquées. Après, les manœuvres, virement de bord ou empannage, on les connaît, elles sont pas compliquées, il n'y a pas de piège. Ça serait autre chose si on avait une voile d'avant, un SPI ou le Ginecker ou le Code Zéro, mais c'est pas le cas. Donc voilà, débriefing et conclusion de cet exercice en ce qui me concerne. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir globalement réussi l'examen. Voilà, ça me donnera un peu plus de sérénité pour la suite de notre voyage.